Imaginons que vous soyez indiscipliné, vous retrouvez du monde, vous venez en tant que spectateur, tout va bien, vous trouvez des amis, vous parlez, alors nous vous coupons la parole. Vous comprenez alors qu'il faut se taire, s'asseoir, parce que peut-être on va donc vous donner des indices sur le spectacle. D'abord, le premier indice, c'est même l'histoire, la fin de l'histoire, le but de l'histoire, le pitch, un peu de surprise. Le pitch, c'est la mesure 16. Et le pitch, c'est celui-ci. C'est la mesure 18. Je vais travailler pour le mois de mars. Enfin, pour demain. You did it? 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 Vous l'avez fait? Oh, c'est pas vrai! Vous l'avez fait! Vous l'avez fait! Bref. C'est l'histoire d'un pari. On ne sait pas entre qui, pourquoi. Il y a l'histoire de Paris et on sait qu'il est réussi. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Je suis content de savoir ça. Moi, si quelqu'un me raconte la fin de l'histoire, je le pourris. Mais et pourtant, dans toutes les ouvertures, c'est bien cela qu'ils font. On vous présente aussi les personnages. Les personnages, le premier qu'on vous présente, c'est mesure 50. Ça, je suis sûr de moi. Mesure 50, c'est Freddy. Freddy, un homme bien soumis de l'aristocratie, présentant bien. C'est un amoureux. Pourquoi est-ce que la fabrique Opéra a choisi une comédie musicale ? N'importe quoi. Fabrique comédie musicale là-dedans ? Pas du tout. Fabrique opéra. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'un opéra ? Alors quand je pose la question, on me dit, ben, c'est une histoire qu'on raconte en chantant. Sinon, y a des danseurs, il y a des instrumentistes, des décors, des costumes, des maquillages, des coiffures. Alors, qu'est-ce qu'une comédie musicale ? C'est une histoire qu'on raconte en chantant. Avec des danseurs, des décors, des costumes, des maquillages. Bref, je ne vois pas la différence. Si peut-être que la comédie musicale a été inventée au XXe siècle. C'est peut-être ça sa particularité par rapport à l'opéra. Je crois qu'à un moment donné, les producteurs américains se sont dit on va arrêter d'appeler ça opéra, ça fait ringard. Aujourd'hui, personne ne considère que l'opéra est ringard, hein ? Non. Bref, on a encore du travail à faire et justement, le montrer que l'opéra et la comédie musicale, en fait, c'est la même chose, c'est juste que la comédie musicale, c'est un opéra du XXe siècle. C'était un peu le but du choix de la comédie musicale. Mais, autre point caractéristique, il y a des ouvertures et dans les opéras et dans les comédies musicales, et on présente aussi les personnages, et dans toutes les ouvertures des opéras ou des comédies musicales. Et, en plus, on parle toujours d'amour. Souvent, là, quand je présente ce plan-là, et notamment aux écoles que je rencontre, il y a toujours un ou deux garçons qui font et des filles qui font et je leur dis, vous tombez dans les clichés, messieurs, dames. Vous tombez dans les clichés. Alors, des clichés, il va y en avoir dans ma famille plein. Oh, et des clichés, vous allez en entendre pendant une heure. 57 minutes.
À l'opéra, on parle aussi d'amour, il faut donc des amoureux. D'abord, un amoureux, c'est donc Freddy. À quoi on voit qu'il est amoureux? C'est grâce à la flûte 1 de la mesure 50. C'est Bastien. Souvent les thèmes. Souvent les thèmes d'amour, c'est ainsi. On respire et on redescend. Comme l'amoureux qui voit son amoureuse arriver et qui fait. Qui a préparé sa phrase depuis 15 jours. Ça nous est tous arrivé. Freddy, donc l'amoureux, aristocrate, bien sur lui, bien habillé, il cause bien. Bref, il n'a que des qualités. Voilà le premier cliché. Les riches sont bien habillés et n'ont que des qualités. Voilà. Deuxième personnage, évidemment, l'amoureuse. L'amoureuse, c'est Elisa. C'est la mesure... c'est ça, c'est la mesure 119. Pardon, j'ai oublié. La mesure 100. La mesure 100 pour les trois solistes. Demain, vous entendrez trois élèves, enfin quatre en fait, demain, mais qui seront en soliste dans cette œuvre-là. Nous allons les entendre là, mesure 100, pour vous montrer à quel point Freddy est amoureux. Deuxième personnage, l'amoureuse. L'amoureux à l'opéra, c'est toujours le ténor, et l'amoureuse, c'est toujours les sopranes, c'est toujours les deux héros. Ben, chez nous aussi, là, dans la comédie musicale. Alors que celui qui vient de me dire, oui, mais c'est quand même pas de l'opéra, je m'explique. Je comprends pas, je vois pas la différence. Vraiment, je ne vois pas. Voici l'amoureuse. Elisa. Oh, Elisa. Écoutez-la comme elle est. Ben, vous allez me dire. Quand vous entendez ce thème-là, et comment vous pourriez décrire Elisa? Juste en un seul mot. Alors, levez la main comme à l'école. Hein. Insouciante. Solaire. Solaire. Prime sautière. Douce. Prime sautière. Pétillante. Guillerette. Radieuse, c'est ça? J'ai pas entendu. Radieuse? Pardon? Non, je vois. Mais oui. Radieuse, c'est bien ça, oui. Belle. Eh bien, écoutez, bravo. C'est exactement l'inverse. Désolé. Je suis désolé, vraiment. Vous avez une oreille bien étonnante. Non, je vous rassure. En fait, au début, en effet, c'est exactement l'inverse. Elisa est une fille de la rue qui vend des fleurs au marché aux fleurs de Covent Garden. Elle, puisqu'elle est dans la rue, forcément elle est sale. C'est un autre cliché. Forcément elle est mal polie. Encore un autre cliché. Forcément elle n'est pas respectable. Encore un autre cliché. Forcément elle ne sait pas parler. C'est encore un autre cliché. Et pourtant. On va refaire sans difficulté. Et pourtant, quand on écoute Elisa là. Oh,